monde, moi c'est Marie-Christine, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour jaser de mes derniers projets tricot. J'ai deux projets terminés à vous présenter aujourd'hui, dont le premier qui est celui que je porte. C'est mon cardigan que j'ai tricoté avec les laines de chez Espace Tricot. J'aime vraiment, vraiment le rendu que ça donne. Je suis trop contente de la coupe, de la construction. C'est exactement ce que j'avais en tête. Puis souvent, je trouve qu'on a comme une image d'une coupe qu'on veut avoir. Puis on n'est pas toujours... On dirait que c'est dur de vraiment reproduire ça au final en tricot. Mais là, je trouve que... En tout cas, moi, c'est vraiment ce que j'avais en tête. Je suis vraiment contente de ce que j'ai fait comme travail. J'adore la construction. En fait, vous voyez ici, là, c'est une épaule tombante, mais je voulais pas faire les épaules tombantes comme je fais d'habitude avec des rangs raccourcis. Ça se fait tout par un jeu d'augmentation, ce qui vient nous donner comme une belle ligne d'augmentation ici. Puis on a... en tout cas, j'aime vraiment, vraiment le dos. Il y a la ligne, puis là, on voit toute la bande de boutonnage là, qui vient se dessiner ici, comme ceci. Je trouve que ça tombe trop bien. Puis, comme la ligne d'épaule est vraiment à l'arrière et pas sur le dessus de l'épaule, ça donne vraiment une épaule qui est très flatteuse. Je trouve que ça tombe vraiment bien, la manche tombante. J'ai fait une manche quand même, pas une manche ballon, mais j'ai fait vraiment très peu de diminution. Je pense que j'ai fait juste comme 3 ou 4 ans de diminution dans toute ma manche. Je voulais quelque chose qui est quand même assez large pour avoir de l'espace pour le superposer là, avec une blouse ou un autre chandail en dessous parce que c'est vraiment un chandail que je veux porter en superposition. J'ai fait un... Là, vous voyez, vous verrez pas très bien parce que j'ai pas encore les boutons. J'avais pas des boutons qui convenaient en stock. Il faut que je magasine ça. Il va y avoir 3 boutons. Le premier, en fait, bon, c'est ça. Mon premier va être ici. Fait que vous voyez, c'est un encolure en V là, qui est très dégagé, qui est assez profonde. Puis c'est vraiment ça que je voulais. Je trouve que ça vient donner un petit côté peut-être un petit peu plus chic, peut-être... à ce chandail qui pourrait être vraiment un genre de chandail basique, même un peu masculin. Je trouve que le fait que le V, là, il est assez profond comme ça, je trouve que ça vient vraiment lui donner un petit côté très, très chic. J'aime beaucoup, beaucoup ça. Comme je vous dis, je m'étais un peu inspirée de mon cardigan cocktail. Là, vous savez, mon cardigan orange que j'ai tricoté pour mon livre garde-robe. Mais je le voulais avec une toute autre coupe. Donc, la seule chose qui apparaît que dans le cocktail, c'est la pâte de boutonnage tricotée en même temps que le corps, puis l'encolure en V. Mais l'encolure en V, celui-ci, elle est plus profonde. Puis, comme je vous dis, la coupe est complètement différente parce que là, on a une épaule tombante. Puis, c'est un chandail qui a beaucoup plus d'aisance positive que mon cocktail. Mon cocktail, je l'avais prévu avec peut-être un 2 pouces d'aisance positive. Celui-ci, on est plus dans le 5 à 6 pouces et plus d'aisance positive. C'est vraiment le genre de chandail qu'on peut faire vraiment plus grand pour un look encore plus oversize. Moi, quand c'est trop oversize, étant donné que je suis pas grande, ça a tendance à m'écraser. Fait que moi, je l'ai fait, je pense, j'ai 6 pouces d'aisance positive. Fait que je suis vraiment très, très contente de comment ça tombe. Les laines que j'ai utilisées, je pense, je vais vous les redire rapidement. C'est la Deka, la Jolie Deka de Bon Tricot, qui est les laines maison de chez Espace Tricot. Ça, c'est une laine qui... C'est des laines qui sont teintes à la main. Celle-ci est composée de 87,5% BFL et 12,5% Gotelaine, qui sont deux sortes de moutons. Vous savez, les moutons BFL, moi, c'est vraiment ma fibre préférée. Fait que c'est certain que j'allais aimer ça. Puis, combiné avec le mohair qui s'appelle le Bliss Mohair, qui est, bon, du mohair et soie, là, comme on retrouve partout. Combiner les deux ensemble, ça donne vraiment un tissu qui est merveilleux. C'est pas la première fois que je combine une laine plus rustique avec un fil de mohair, mais à chaque fois que je fais ça... Je trouve que c'est vraiment le tissu que je préfère. On dirait que ça vient chercher toutes les qualités d'une laine rustique, c'est-à-dire que c'est léger, ça se tient bien, ça garde sa forme, mais en venant donner la douceur du mohair, puis la brillance et tout, qui vient, on dirait, rendre le tricot peut-être un petit peu plus chic que si on l'aurait fait juste en laine un petit peu plus rustique. Mais c'est sûr que le BFL, c'est une laine qui a quand même un beau lustre de base. C'est pour ça que j'aime autant cette laine-là. Puis vraiment, celle-ci, elle a le petit lustre que ça donne. Mais vraiment, les deux ensemble, je trouve que c'est merveilleux.
si vous n'êtes pas trop mohair dans la vie, que ça vous pique, vous pouvez tricoter ce chandail-là avec seulement un fil worsted. Parce que les deux ensemble, moi, ça me donne un échantillon de laine worsted. Ça me donne un 18 mailles par 10 cm ou 18 mailles par 4 pouces, tout dépendant quel système que vous utilisez. Puis je l'ai tricoté sur des 5 mm, là, moi, si ça vous donne une idée. Là. Fait que c'était quand même un tricot rapide. Même si c'est un cardigan, puis on est beaucoup en aller-retour, le fait que c'était sur des 5 mm, ça a été très vite. Fait que vraiment un petit projet bonbon, je suis super contente du résultat final. C'est vraiment le genre de chandail que je me vois retricoter dans plusieurs couleurs, dans des longueurs différentes. Vraiment, c'est le genre de projet que je suis trop contente. Je suis actuellement en train d'écrire le patron. Je suis dans la gradation et tout actuellement, dans les gros mathématiques. Fait que je prévois peut-être sortir le patron comme fin janvier, début février. Fait que juste pour vous donner un ordre d'idée, là, si ça vous intéresse. Puis, je pense que je vais l'appeler le cardigan Arthur. Je vais lui donner le nom de mon premier garçon. Premièrement, parce que ça, c'est exactement la couleur de ses yeux. Il a les yeux bleus. Exactement comme ça. Puis, à chaque fois que je tricotais ce chandail-là, il fait jamais ça d'habitude, mais il venait tout le temps me voir, puis il dit « Maman, il est très beau ton tricot, il est beau, il est doux », puis il venait tout le temps comme le toucher, puis on dirait qu'il était vraiment intéressé par ce projet-là, puis c'est même lui-même à un moment donné qui m'a dit « Maman, ça là, c'est la même couleur que mes yeux ». J'ai trouvé ça tellement cute que je me suis dit « Ah, c'est ça, faut que j'appelle ce chandail-là le cardigan Arthur ». Fait que voilà, cardigan Arthur, en l'honneur de mon grand garçon de 4 ans. Fait que c'est ça pour mon premier projet terminé. Donc, puisque j'étais en pleine gradation de ce chandail-là, je voulais pas commencer un autre chandail tout de suite. Vraiment, j'essaye de terminer l'écriture d'un chandail avant d'en commencer un autre. Sinon, on dirait que je deviens toute mêlée dans mes calculs. Fait que je me cherchais un petit projet rapide que je pourrais faire entre les deux. Mais finalement, ça a été tellement rapide qu'il est déjà terminé. Sérieusement, je me dis, je vais tricoter ça tranquillement cette semaine, là. Après une soirée d'écriture de patron, je vais tricoter un petit 15 minutes là-dessus, mais finalement, ça a été tellement rapide en deux soirées de tricot non intensif. J'avais fini cette tuque. Je vous explique, en fait, c'est la couleur va peut-être vous être familière, c'est les restes de mon chandail 1988. J'avais utilisé la petite wool de We Are Knitters. Il me restait une balle de 100 grammes complète et peut-être un petit 20 grammes là, d'une balle. Fait qu'il m'en restait quand même pas mal. Ça, c'est ce qui me reste là, en fait, de tout ce qui me restait. Fait que j'ai tricoté cette tuque-là. Puis là, je voulais du jersey en rond. J'avais pas envie de faire des côtes parce que je venais de terminer... en fait, cette tuque-là est juste à côté, qui était toute en côte. J'avais envie vraiment du jersey en rond. Puis c'est aussi que je voulais quelque chose de super rapide que je pourrais peut-être en retricoter d'autres pour peut-être offrir en cadeau de Noël. Puis c'est confirmé, c'est ça que je vais faire. Fait qu'en fait, c'est une tuque qui est toute en jersey, il n'y a aucune côte. Là, elle n'est pas bloquée, là, je l'ai vraiment terminée hier soir très tard. Là. puis sa particularité, c'est qu'elle a un rebord triple. Fait que c'est ultra chaud, c'est la petite wool de We Are Knitters, c'est une laine qui est de grosseur bulky. Moi, j'ai tricoté ça sur des 6,5 mm. Mon chandail que j'avais fait avec cette laine-là, je l'avais tricoté sur des 8 mm. Mais là, je voulais quelque chose de plus dense pour une tuque. Donc, j'ai pris la même grosseur d'aiguille que j'avais tricoté les côtes de mon chandail, fait que 6,5 mm. Puis, c'est un rebord qui est triple en jersey, fait que ça donne une super belle finition. Tu sais, il n'y a pas de bordure de montage apparente qui nous arrive dans le front. Je trouve que ça fait vraiment trop beau. Puis, je me suis amusée au niveau des petites diminutions, là, faire un petit jeu de diminution comme ceci. Je trouve que ça fait vraiment beau. Fait que vraiment, je vais l'essayer pour vous montrer, là. Regardez, je trouve que ça tombe super bien, ça va être tellement chaud, vraiment, puis ça tient bien sur la tête, même s'il n'y a pas de côte, le fait que le rebord est triple, là, ça vient vraiment bien resserrer au niveau des oreilles. Fait que, sérieusement, ça va être ma tuque officielle pour les grands froids. C'est sûr que j'en retricote plein d'autres. J'ai d'ailleurs profité... C'est la seule laine que j'ai achetée pendant toutes les promos là, du Black Friday et tout. Là. En tout cas, j'essaie de pas trop acheter pendant cette période-là parce que je trouve que souvent, ça nous fait faire des achats compulsifs. Mais là, en fait, j'ai commandé de la laine pour en faire d'autres des trucs comme ça. Mais
pour des cadeaux de Noël, fait que j'en ai fait choisir une couleur pour ma maman pour lui en tricoter une pour ajouter dans son cadeau de Noël. Puis je verrai si j'ai la motivation d'en faire plus qu'une autre, mais vraiment la laine était à 35% de rabais, je pense que ça revenait à 11$ la balle de 100 grammes, fait que une tuque pour 11$ qui se tricote en juste quelques heures, c'est parfait pour la personne occupée que je suis. Puis, tu sais, ça, c'est une laine qui est à un brin. C'est une laine qui est un peu mèche, là, qui est peu retordue. Mais ces laines-là ont tendance à être très chaudes parce que ça vient tout combler les petits trous d'air. Puis, je trouve vraiment pour un chapeau, c'est une laine qui est parfaite pour ça. Parce que c'est pas un chapeau, ça n'a pas beaucoup de friction, étant donné que c'est juste sur notre tête comme ça, fait que ça ne boulochera pas trop. Puis, fait que voilà, je suis vraiment contente de ça. Une fois que j'aurai fini d'écrire le patron de ça, je vais me mettre à l'écriture de celle-ci. Puis, j'enverrai ça en test. Je verrai si je la sors avant Noël ou après Noël. Là, ça va dépendre de comment ça avance dans mon horaire. Mais vraiment, c'était parfait à tricoter. Tricot en rond, petites diminutions qui se font super facilement. Je trouve que le rendu est vraiment comme professionnel. Ça peut avoir l'air d'une tuque qu'on a achetée au magasin. Je suis vraiment contente. Là, je pense qu'une fois qu'elle va être bloquée, là, ça va être mieux. Mais une fois que je la porte, moi je bloque pas toujours mes tuques, sérieusement. Là, parce qu'une fois qu'on les porte, ça tombe tout super bien. Fait que voilà ce que ça donne. Fait que je suis trop contente de ça. Puis en fait, j'ai vraiment hâte de recevoir mes autres couleurs parce que on dirait que j'aurais envie d'en retricoter genre 2-3 autres tout ça, tellement que c'était satisfaisant. Fait que c'est ça pour mes projets terminés. Ensuite, mes projets en cours, la seule chose qui me reste vraiment d'actif sur mes aiguilles, c'est ma petite chaussette en Arweta de Phil Collana. Vous savez, la laine en forme de queue. mais j'ai fait juste quelques rangs de plus. Là, je vais probablement continuer ça ce soir après avoir travaillé sur l'écriture de ce chandail-ci. Puis, la dernière chose que je voulais vous montrer, en fait, c'était des nouvelles laines que j'avais reçues pour mes futurs projets. J'ai reçu une grosse boîte de la Maillerie. Ça vaut la peine que je vous la montre parce que c'est vraiment une énorme boîte. Puis, la Maillerie, si vous avez déjà commandé là, c'est toujours tout bien emballé avec le petit papier de soie. Là. Je trouve ça tellement le fun de recevoir leur colis, là, tout ça. Puis c'est tout... t'as l'impression d'avoir commandé quelque chose dans un grand magasin, là, mais c'est, en fait, c'est de la laine. C'est merveilleux. Puis, en fait, j'ai reçu pour deux projets. Le premier projet qui en fait officiellement mon prochain chandail, c'est une laine que je voulais essayer depuis vraiment longtemps. En fait, la Maillerie m'avait approchée cet été pour ce projet-ci. Puis, je leur avais dit que je voulais essayer la Pirgin de Sadness Garn. J'avais tricoté la Double Sunday, qui est une déca en 100% mérino non traitée, mais la Pirgin, c'est 100% laine norvégienne. Fait qu'elle est beaucoup plus rustique, je vous dirais, que la Double Sunday. La Double Sunday, c'est ultra doux, là, c'est du mérino, là. Mais ça, c'est vraiment plus laineux. Mais ça m'a l'air vraiment léger, belle laine, tu sais, avec une belle élasticité, une belle définition de maille qui doit être super agréable à tricoter. Je sais déjà que je vais adorer cette laine-là, puis probablement beaucoup plus que la Double Sunday, parce que, bon, vous savez, moi, le mérino, c'est pas mon mouton préféré, mais je suis vraiment curieuse de mettre ça sur mes aiguilles. Je suis certaine que ça va avoir une super belle définition de maille, puis justement, je prévois faire quelque chose avec beaucoup de texture. J'ai bien hâte de commencer, mais il faut que je finisse d'écrire ça avant de commencer ça. Ça va être ma récompense lorsque je vais avoir fini d'écrire mon patron de ce chandail-ci. Fait que ça, j'ai une quantité sans chandail. Puis, l'autre laine que j'ai reçue, ça va être plus pour la mi-saison. Là, ça va être, je devrais travailler là-dessus plus après les fêtes. C'est de chez Cardiff Cashmere, mais une autre base que celle que j'ai tricotée dernièrement, c'est la Silka 8, ou si vous préférez, en bon québécois, la Silka 8. vous voyez là, le nom là, ici là, qui est en fait un mélange de cachemire et soie. Ça, on est dans le doux, les amis. C'est incroyablement doux, luxueux, soyeux. J'ai jamais rien touché ni tricoté de tel. Je pense que c'est le luxe absolu, cette laine-là. C'est encore plus doux que la 100% cachemire. C'est vraiment, vraiment plus doux que ça. Ça va sûrement se comporter vraiment différemment étant donné que ça contient de la soie. C'est 30% cachemire, 70% cachemire et 30% soie. Puis je vous avouerai que j'ai un peu peur
J'ai un peu peur de cette laine-là parce que je sais que souvent, quand il y a quelque chose avec de la soie, ça peut avoir tendance à. Ça drape beaucoup, disons, puis ça peut avoir tendance à un petit peu s'étirer. Mais je vais prévoir mon design en conséquence de ça. Puis je sais déjà ce que je vais faire, puis je pense que ça va être parfait. Fait que j'ai vraiment hâte de mettre ça sur mes aiguilles, mais comme je vous dis, ça va être plus un patron que je prévois pour sortir pour la mi-saison, étant donné que c'est un fil qui est très fin, que je pense qu'il peut bien se porter même en été. Je vous dirais que ça m'a l'air d'être comme une genre de grosse fingering ou une sport. Fait que c'est ça, il y a 176 mètres par 50 grammes. Eux, ils disent de la tricoter sur des 2,5 à 3,5, mais moi, je pense que sur des 4 mm ou des 3,5 mm, c'est probablement ça que je vais utiliser. Vous savez, hein, les compagnies, ils recommandent souvent des grosseurs d'aiguilles, mais fiez-vous pas à ça. Souvent, on peut tricoter sur beaucoup plus de grosseurs différentes que qu'est-ce qui est écrit ici. Ça, c'est ce qu'eux recommandent, mais on a toutes des tensions différentes, puis ça se peut que vous ayez besoin d'utiliser une autre grosseur d'aiguille pour obtenir l'échantillon que eux recommandent. Puis, fiez-vous pas non plus à l'échantillon souvent qui écrivent sur celui-là. Il n'y en a pas d'écrit, là, mais je sais qu'il y a certaines compagnies, là, comme, je pense, Drops ou les trucs comme Fildor et tout, qui recommandent un échantillon sur la balle. Mais, sérieux, fiez-vous pas. Vous n'êtes pas obligé de respecter ça, là. Souvent, on peut aller un petit peu plus gros ou un petit peu plus petit. Puis souvent, on peut même aller souvent pas mal plus gros que ce qu'eux disent. Fait qu'arrêtez-vous pas à ça. Ça, c'est comme une suggestion. C'est juste pour vous donner un ordre d'idée un peu de la grosseur du fil que c'est lorsque vous commandez, par exemple, en ligne. Quand vous pouvez pas le toucher dans vos mains avant de l'acheter. Mais fiez-vous pas toujours aux petits trucs comme ça décrits là-dessus, là, parce que vous allez rater des belles opportunités de mettre en valeur un fil, à mon avis. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous montrer aujourd'hui. Merci d'avoir été là jusqu'à la fin. Je vous souhaite bon tricot. À la prochaine. Bye bye! Non, c'est faux, finalement. Pas bye bye tout de suite. J'étais en train de faire le montage de l'épisode sur mon ordinateur quand j'ai réalisé qu'on était à l'épisode numéro 50. Puis je m'étais toujours dit que je ferais un petit truc spécial pour le numéro 50. Donc, je vous propose de faire ça la semaine prochaine. Je pourrais faire un petit spécial questions-réponses si vous avez envie. Si vous n'avez pas envie, dites-moi là aussi. Mais si vous avez envie puis vous avez des idées de questions qui vous trottent derrière la tête, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire ou à m'envoyer un petit message sur Instagram ou un email, n'importe quoi. Je vais les comptabiliser, puis la semaine prochaine, j'enregistrerai un épisode spécial pour répondre à vos questions. Ça peut être n'importe quoi. Gâtez-vous! Donc, maintenant, je vous dis bye-bye pour de vrai. Merci d'avoir été là. Bye-bye!